Ravie de vous retrouver. La nuit m'écrase le temps avec son cortège de sensations indéfinissables que je deviens le vent. Le silence de la nature, ses peurs, son noir, son attente. Je cherche à mieux devenir la nature pour me fondre en elle, ne faire qu'un avec elle et ne plus craindre son noir intolérable. Mon feu pétille et craque. Des étincelles jettent autour de moi un vacillement jaunâtre. Des insectes fredonnent autour du feu. Des regards clignotent, phosphorescents. Ce sont des lucioles, peut-être. Ou des prunelles de félin. Les feuillages parlent, ululent, se cachent derrière mon dos. J'ai peur. Je tiens ma hache à la main. Je me lève pour ne pas dormir. Je marche autour de mon feu de bois, ma hache à la main. Je tourne. Je fais les 100 pas, jambes souples, jambes spongieuses, où mon corps s'enlise, d'où, à grand effort, je tâche de m'arracher. Sous mes talons, la terre à présent devient dure, chaude, friable. Ma respiration est rauque. Mes yeux sont deux boules d'oignons. Des larmes y dansent sans jamais rouler sur mes joues. Un samedi intolérable mais nécessaire. Je veux vivre. C'est beau, hein? À la prochaine lecture.